L'histoire de l'esclavage est un vaste sujet, puisqu'en effet, cette pratique a existé dans différentes sociétés à différentes périodes, allant de l'Antiquité, notamment avec l'Empire romain et même la République romaine, où il y avait des esclaves, la Grèce également, mais également, du coup, évidemment, l'esclavage européen avec le commerce triangulaire, la pratique d'esclavage également en Afrique, en Asie. C'est quelque chose, en fait, voilà, universel à l'humanité sous des formes différentes. Par contre, chacun de ces esclavages avait ses particularités. Le statut d'esclave n'était pas toujours le même, ce qui du coup aussi demande à se poser la question de quelle est la définition exacte de l'esclavage, qu'est-ce qu'on peut regrouper dedans et qu'est-ce qu'on ne peut pas regrouper dedans. Et tout ça est abordé par Pauline Ismar dans un ouvrage collectif qu'il a dirigé. Et j'ai pu suivre une de ses conférences et j'en fais un compte-rendu dans une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre que je vous invite à aller voir afin que vous puissiez en savoir plus. Donc, je vous mets le lien, je vous invite à la regarder, à l'aimer, à la partager. Au revoir tout le monde.